Alors, salut à tous. On vous explique un peu notre projet, à savoir comment allumer une lampe à distance. Donc voilà notre LED, LED rouge. Donc et la résistance. Il y a aussi ici un capteur, pas un capteur, mais un récepteur infrarouge. Il y a aussi ce qu'on appelle un buzzer actif. Et là, on a le microcontrôleur Arduino. Sans oublier aussi la télécommande en fait. Donc qui va essayer d'activer la lampe à distance. Alors l'application de ce projet-là, donc on le sait tous, c'est-à-dire par exemple tu peux être dans ta chambre, donc dans ton lit et tout, tu t'es couché et tu veux éteindre ta lampe. Donc là tu dois te lever, donc aller jusqu'aux prises, pas jusqu'à la prise mais jusqu'au contact et essayer d'éteindre la lampe. Donc ça sera un peu compliqué. Alors si tu as donc ta commande, tu peux allumer ou bien éteindre la lampe à distance. Donc on va passer un peu à la démonstration de ce projet. Donc, voilà, donc on a de la télécommande. On va allumer par ce bouton-là et on va aussi fermer par l'autre bouton. Donc vous voyez, donc voilà, donc ça s'allume et là il y a aussi un signal sonore. Donc et ça va aussi s'éteindre par ce bouton-là. Donc voilà, donc on essaie encore. Voilà. Et voilà. Donc, alors, il y a aussi une remarque à faire, c'est-à-dire, on a testé cette télécommande-là. Donc, la portée, elle est maximale à 10 mètres ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est proche de 10 mètres. Donc, ça dépasse largement les 100 mètres. Donc la portée, elle est un peu grande. Donc, voilà. Remarque. Application. Et je crois que c'est bon. Merci beaucoup à tous.